Bonjour à tous et bienvenue pour continuer le montage du char Tigre 2. Aujourd'hui, le numéro 61. Alors, avant que je commence, je déballe le fascicule et les pièces. Pensez, pour ceux qui ne le sont pas encore, à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous ne raterez rien. Voilà, donc j'ai déballé le fascicule. Je vais mettre les pièces de côté. On va jeter un rapide coup d'œil. Donc là, on nous parle des adversaires du Tigre 2, les canons anti-char, deuxième partie. Bataille de char légendaire, donc au bord de l'effondrement. Donc ça, c'est la bataille de France en 1940. Et donc, on arrive au guide de montage aux pièces. Donc le premier câble de remorquage. Et on a aussi des baguettes de nettoyage, ainsi que des maillons de chenille, comme d'habitude, de deux types, avec des tiges. On va d'abord commencer par le montage de la chenille, et après on va mettre en place le câble de remorquage, et là on va récupérer une partie des pièces que nous avions, pas utilisées, nous les avions mis de côté, pour ce montage. Le résultat, allez, attaquons tout de suite. Les pièces, on a d'abord les différentes parties pour la chenille, donc toujours des maillons de deux types et des petites tiges en métal. On a les tiges de nettoyage, donc elles sont en plastique. On a l'anneau de remorquage, lui, il est en métal, et ainsi qu'un petit sachet de vis. IM, et on va récupérer toutes nos pièces que nous avions mis de côté du précédent numéro, là, regardez, qu'on va utiliser pour fixer le câble et les baguettes. Allez, le montage. Première partie du montage, donc c'est le montage de la chenille, comme d'habitude, on va prendre un maillon de chaque type, on va les mettre un petit peu de côté pour l'instant, comme ceci, plutôt dans le sens. On met la petite baguette là. Bon. Jusqu'au bout, si j'arrive. Voilà, et donc on fait pareil pour tous les autres maillons. Voilà, donc tous les maillons sont assemblés, il n'en reste plus qu'à rejoindre avec les parties précédemment assemblées. Voilà, donc pour la chenille, on va passer au montage du câble. Maintenant, on va revenir là sur la plaque de plaintage latérale. On va prendre notre câble de remorquage. On va donc mettre une partie là, ici. Voilà, donc un premier est en place, et donc on va faire pareil avec le second. Voilà, donc pour le second,
Et donc maintenant, on va faire passer le câble ici et là. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va prendre cette petite pièce-là. On va en mettre une ici, là. Et puis, la seconde, là, de l'autre côté, là, dans l'autre sens. Comme ceci. Voilà. Et là, si ça part pas. Donc là, ici, à ces endroits-là, on va mettre nos petites vis VM, celles qui étaient peintes en verte. Voilà, donc une fois qu'on a mis en place, on va redresser là. Bon, et on va mettre encore des petits écrous. Voilà, donc, regardez là le résultat. Et donc là, celui-là, le deuxième, on fait exactement la même chose en mettant un deuxième petit écrou. Voilà. Maintenant, on va récupérer là, nos trois baguettes en les plaçant là, dans ce sens-là, avec le petit picot là. On va les mettre en place ici, de chaque côté. Là, à peu près comme ceci. Et donc là, on va prendre ces fixations là. Et on va en placer une. Et on fixe là avec une petite vis. Donc on prend celle avec la tête beige. Là, elle est bien vissée à fond. Et maintenant, on va mettre notre petit écrou papillon. C'est bon, et on va mettre après l'autre baguette de l'autre côté. Cette fois, on va prendre une petite vis à tête verte. Voilà, donc on a fini. Maintenant, on va récupérer là, cette partie-là, le dessus de la caisse, et on va la retourner. Là. On reprend cette partie-là. Aussi en la retournant, et là, là, à ces endroits, en place, là. Et donc, elle est fixée avec des vis IM.
Voilà, donc c'est tout pour ce numéro 61. On a fini de mettre les équipements sur la plaque de blindage latéral et on l'a mis en place sur la caisse. On a rajouté des maillons de chenilles et donc la semaine prochaine, on aura des porte-fusées à nouveau de deux types, faites pour l'autre côté, et à nouveau des maillons de chenilles pour agrandir la seconde chenille. Allez, bye bye, à bientôt!